Bonjour mes amis, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui c'est Alina qui m'aide à filmer. Et vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Nous allons appeler les deux démons les plus légendaires de l'SCP. Carton Cat et Carton Dog, et ce n'est pas pour rien. La dernière fois que nous avons vu Carton Cat et Carton Dog, ils ont disparu, ils se sont enfuis. Vraiment! Demandons s'ils sont encore vivants, s'ils vont venir chez nous, et puis ben enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? On se demande vraiment où sont-ils passés les gars la dernière fois? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Les gars, j'ai encore le numéro de Cartoon Cat, je l'ai gardé, et Alina a réussi à obtenir le numéro de Cartoon Dog. Et qui tu veux appeler en premier, toi? Je pense que, comme je connais Cartoon Cat depuis longtemps, il décrochera son téléphone tout de suite. Et s'il est encore vivant, quoi. Et on sait pas trop ce qu'on va faire avec ce Cartoon Dog. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par Cartoon Dog, Alina. Parce que nous le connaissons pas très bien encore. Écoute, je pense que nous devrions commencer par appeler quelqu'un qui vient à 100% et te dire ensuite à Cartoon Dog que Cartoon Cat lui a dit oui tout de suite. Désolé, Alina. Qu'est-ce qui t'arrive? Alina, j'ai un truc avec mon bras. Et ma jambe. Les gars, je suis en train de me transformer en un énorme bouton d'abonnement rouge. Alina, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je me transforme en bouton rouge. Et les gars, ce n'est pas le bon moment. On ne peut pas se transformer en bouton rouge maintenant. C'est vrai. Alina a raison, les gars. Il faut qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas le faire sans vous, les gars. Les gars, si vous avez un bouton rouge comme celui-ci sous votre vidéo... Ou un de ces boutons rouges-là... Ouais, les gars, vous avez nos vies entre vos mains maintenant. Et vous pouvez vraiment nous sauver la vie. Cliquez sur le bouton rouge sous la vidéo et nous serons guéris directement, les gars. Cliquez, allez, clique sur le bouton rouge. Cliquez. Et pow. Et tout est normal maintenant. Merci beaucoup, les gars. Je suis normal maintenant. Je ne suis plus un bouton. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant et appeler Cartoon Dog. Stop. Réfléchissons bien dès le départ. Nous invitons deux créatures les plus fortes de ce monde entier. Écoute, pourquoi ne pas résoudre ces problèmes plus tard, quoi? On s'en fout, ok? Moi, j'aime bien me lancer dans les aventures et c'est pour ça que je suis déjà en train d'appeler. Écoute, tu sais, j'aurai bientôt besoin de ça, je pense. Écoute, c'est un bon outil, ça. C'est le mien. D'accord, si tu veux, tu peux me protéger avec. D'accord, comme toujours, quoi. En général, t'as des difficultés et je dois sortir ma patte pour tout régler. Ok, les gars, on va appeler Cartoon Dog maintenant. J'ai presque fini, là. D'accord, tu es prête? Bien sûr, je suis toujours prête. Ça y est, j'ai écrit le numéro, les gars. On va appeler Cartoon Dog. Essayons de passer à un appel vidéo aussi. Regardez la musique qu'il a mis sur l'appel. Il aime la musique, apparemment. Allez, décroche, allez. Bonjour. Il dort? Non, il grogne, je ne sais pas pourquoi. Regarde, c'est vraiment Cartoon Dog. On voulait savoir si tu avais envie de participer à notre vidéo. Je ne sais pas ce qu'il fout, là. Demandons-lui comment il va. Cartoon Dog, comment vas-tu, mec? Ça va, mec? Oh, regarde, Alina, il a allumé la vidéo. Bientôt, je vais venir dans votre studio. Et je m'occuperai de vous. Il a raccroché. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne sais pas pourquoi il a commencé à aboyer. Il s'est mis à aboyer quand on l'a appelé. Comme un vrai chien, quoi. On l'a juste appelé, quoi. Pourquoi il est si agressif? Et il a dit qu'il allait venir. Écoute, tu as bien fait de prendre une batte. Bien sûr que c'est bien. Il y a le mec de CP qui arrive, bien sûr qu'on a besoin d'une arme. Cachons-nous et appelons ton chat, là. Les gars, vraiment, on dirait qu'on va avoir de gros problèmes, là. Cartoon Dog va arriver au studio d'une minute à l'autre, putain. Il faut donc trouver une bonne cachette avec Alina et appeler Cartoon Cat. Bruno, t'es où? Pourquoi tu t'es enfui? Je me suis caché. Mais comment ça, Bruno? Viens ici, c'est un
endroit normal, appelle ce putain de chat. D'accord. Tu es sûr que c'est la meilleure cachette? Mieux que la tienne. Voyez tes fesses là-bas, tu sais. On voit toujours les tiennes, t'as compris, hein? T'es prêt à appeler ton ami, toi? Bon, maintenant, les gars, on va appeler Cartoon Cat pour qu'il nous aide à calmer ce putain de chien. D'accord, j'appelle Cartoon Cat, j'espère qu'il va bien et qu'il va répondre, quoi. Allez, réponds, punaise! Salut, les gars! Qu'est-ce que vous voulez? Salut Cartoon Cat, c'est nous! Écoute, on a appelé Cartoon Dog et il a dit qu'il venait dans notre studio! Qu'est-ce qu'on fait là? Et Cartoon Dog, il était méchant ou pas? Il était très fâché, Cartoon Cat! D'accord, je t'ai compris. Attendez-moi au studio et essayez de vous cacher. Et moi, je vais essayer de résoudre votre problème avec Cartoon Dog. Je serai bientôt là. C'est tout. Salut, mec. Merci beaucoup, Cartoon Cat. Il a raccroché. Bon sang, c'est un si bon ami. C'est vrai qu'il fait parfois des choses horribles, mais dans l'ensemble, c'est un bon chat. Je crois qu'il a changé depuis qu'il a été dans ton corps. C'est bien que Cartoon Cat vienne. Je me sens en sécurité. Mais tu crois que Cartoon Cat va vraiment nous aider? On dirait que Cartoon Dog est déjà dans notre studio. Zut, pourquoi il bouge si vite? Je ne sais pas, apparemment les chiens sont rapides. Écoute, tiens ça, va vérifier. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Je suis sûr qu'il est ici dans notre studio. Bruno, t'es un homme, t'es costaud. Je pense que c'est toi qui dois vérifier, allez. Merde, donc c'est comme ça que tu me protèges? Tu as pris une batte pour que je l'utilise, moi, n'est-ce pas? T'as de la chance d'avoir une batte, en fait. Bon, Cartoon Dog, j'espère qu'on va pas se rencontrer. Bah, peut-être que nous n'aurions pas dû l'appeler, finalement. Bah, bravo, Bruno, il est déjà quelque part dans le studio. Félicitations, quoi. Mais s'il est juste derrière la porte, Alina? J'espère que non. Où est-ce que tu vas, là? Eh bien, pour vérifier s'il y a Cartoon Dog ou non. Allez, suis-moi, Alina. Maintenant, il faut vérifier chaque pièce, quoi, pour savoir où se trouve notre ennemi. Tu vois quelqu'un? Je crois pas. Il y a que toi ici. Alina, regardons partout. Je vais vérifier ce tiroir, maintenant. Vas-y, regarde. On a une putain de souris là! Bon, là ça va là! Mais quoi en quoi? Quelle souris? Pourquoi tu me fais peur? Tu l'as fait exprès, tu me fais peur! Je ne te mens pas, Alina! Je me suis battu courageusement pour. Il grogne quelque part derrière les murs! Ah, ok les gars, vous savez ce que j'ai compris? Cette batte, elle va pas nous suffire quoi! Nous avons besoin d'une vraie force quoi les gars! Je pense que vous savez comment l'obtenir. Si nous nous mettons tous ensemble et que nous cliquons sur les likes sous la vidéo, toute la puissance des likes ira directement dans cette batte. Et donc, elle aura un coup 100 fois plus fort que d'habitude. J'ai entendu cette légende que lorsque des abonnés rassemblent 100 000 likes et les mettent dans une arme, cette arme devient vraiment spéciale. Allez, les gars et les filles, je crois en vous. Oh la vache, les gars, on l'a fait. Nous avons une super méga batte maintenant. Avec cette arme, on peut vraiment neutraliser ce chien débile. Écoute, allons vérifier le reste de la pièce. Attends. J'entends des bruits qui viennent de la grande pièce où nous étions, là. Il faut retourner là-bas. T'entends quelque chose? Pas encore, non, je crois pas. Allez, Bruno, écoute, on va vérifier toute cette salle, après on réfléchira à ce qu'on va faire. Ouais, quand est-ce que Cartoon Cat va arriver? Parce que c'est une arme puissante, bien sûr, mais j'ai quand même besoin de son aide, quoi. Il était juste là, Alina. Je ne vois rien du tout, moi. C'est vide ici. Écoute, nous devons vérifier le reste de la pièce pour savoir exactement où il est. Avant qu'il ne nous trouve, lui. Oui, t'as raison. Il faut fouiller les autres pièces pour trouver Cartoon Dog. Mais moi, je préfère de rester ici. Il n'est certainement pas ici. Je défendrai cet endroit, mais j'ai besoin de la batte pour ça. Bah, si tu veux, tu peux rester, mais j'ai besoin de la batte, moi aussi. Mais attends, donne-moi cette batte, parce que t'as déjà marché avec. Et maintenant, c'est mon tour. Et c'est chacun son tour, allez.
Bon, reste avec cette batte, mais les abonnés iront avec moi alors. Je suis sûre que t'arriveras rapidement si t'en as besoin. Dès que tu le vois, cours jusqu'ici. C'est ça, allez, allez, cherche Bounon. D'accord, bon, allez, 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 les gars, suivez-moi. Bon, Alina, s'il y a un problème, appelle-moi, je viendrai t'aider. Il faut vite trouver où se trouve ce cartoon dog pour savoir de quel côté attendre le danger. Je n'aime pas être seul, moi, pour être honnête. Même si Alina est une fille, je me sens plus en sécurité avec elle. D'accord, j'irai vérifier l'entrepôt. Bon, j'ai regardé partout là, et dans ce studio... Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de me préparer pour mon combat avec ce cartoon dog, mais... Mais bon, au cas où, j'ai ce truc d'entraînement moi là. Hop là, les gars, j'ai regardé partout et je ne sais pas ce que je fais là. J'ai regardé dans l'entrepôt, j'ai regardé dans les douches, j'ai regardé dans notre loge, il n'y a personne nulle part. Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas Cartoon Duck qui aboyait en fait. D'accord, je vérifie encore un endroit et je reviens vers Alina. Les gars, je regardais les statistiques de la chaîne ce matin et j'ai découvert que les garçons étaient plus nombreux que les filles à liker. Les filles ne mettent que 30% des likes, ce n'est pas bien du tout. Alors je m'adresse aux filles maintenant, si vous m'entendez, likez la vidéo et s'il vous plaît, on va battre ces garçons. Bon les gars, il n'y a pas de cartoon dog ici non plus, et c'est plutôt bien ça. Oh, vous l'avez entendu? Ça doit être la chambre d'Alina. Je ne sais pas ce qui est derrière le mur, mais j'espère que William Bruno va bientôt arriver. Et si c'était Cartoon Dog? Bon, je peux pas risquer là, à l'heure où j'attends. William Bruno! Bruno, t'es où? Alina, j'ai entendu ce bruit étrange et ton appel à l'aide! Non, tu n'es pas le seul à l'avoir entendu. Regarde qu'on me frappe, c'est imbécile. Et si c'était Cartoon Cat qui est déjà là? Allez, ouvre, 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 ouvre! Écoute, ça me fait peur. Bon... Pour une bonne vidéo, je suis prêt à l'ouvrir, mais prépare-toi à l'attaquer. Comme ça? Ah ouais. J'ouvre. Enfin vous l'avez ouvert, d'accord. Salut, William Bruno. Salut Cartoon Cat, et nous, on était en train de t'attendre. Hé, où est Cartoon Dog? Je vais lui botter le cul là. Écoute, je ne sais pas pour être honnête. J'ai même pensé, et Alina aussi d'ailleurs, que c'était Cartoon Dog qui frappait là. On l'a pas vu du tout, mais on l'a entendu. Il est donc quelque part dans le coin, peut-être que tu sais où il est. D'accord, nous allons vérifier maintenant. Je sens que Cartoon Dog est dans cette maison. Il n'est pas loin. Il est juste par là. Écoute, Cartoon Cat, je crois que tu te trompes. On a cherché partout et on n'a rien trouvé, quoi. On dirait qu'il se moque vraiment de nous. Écoute, Cartoon Cat, pourquoi il fait ça? Cartoon Cat, qu'est-ce que... T'es sûr qu'il est pour nous, lui? On dirait qu'il sent vraiment quelque chose. Alina, on a tout fouillé, là. Il n'y a rien, ici. Je te dis la vérité. Il n'arrête pas de renifler, les gars. Qu'est-ce qu'il a trouvé? D'où il vient, ce putain de Cartoon Dog? Il n'était même pas là. Regarde, Cartoon Dog a frappé Cartoon Cat. Cartoon Cat, allez! Bats-toi, Cartoon Cat! Cartoon Cat! Pas grave, Cartoon Dog! Je vais te défoncer la gueule là! Tiens, attends! Tu ne pourras jamais le faire, tu as perdu! Non! Cartoon Cat ne perd jamais! Je vais encore garder ta vie, chat ivrogne! Écoute, Alina, je pense que Cartoon Cat a un petit problème là! J'espère qu'il va quand même reprendre ses forces et il va gagner! Bon, je crois que ça ne sert à rien d'attendre. Il faut aider mon ami. Cartoon Dog, laisse-le tranquille. Quel coup de poing. Je m'attendais pas à ce que Cartoon Dog soit aussi fort. C'est une bête, quoi. Bruno, comment tu vas? Écoute, ça va mieux. Pourquoi tu ne l'aides pas, d'ailleurs? Tu as une batte avec la force de nos abonnés. Aide Cartoon Cat, bordel. C'est vrai, cette batte a la force de nos abonnés. Est-ce qu'ils ont mis des likes pour rien? Nous devons montrer notre force à Cartoon Dog.
apparemment, le pouvoir des abonnés est vraiment très puissant. Cartoon Cat! Cartoon Cat! Réveille-toi! Réveille-toi, Cartoon Cat! Nous avons vécu tant de choses ensemble! Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive, Cartoon Cat! Il s'est transformé en sable! J'espère que nous nous reverrons un jour! Alina! 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 Tu es vivante! Alina, réveille-toi! S'il te plaît, ne te transforme pas en sable, toi aussi! Ok, ça marche toujours! Je suis content que tu sois vivante! Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, mouchoir! Alina, regarde! Cartoon Cat s'est transformé en sable noir! C'est vraiment Cartoon Cat? C'était Cartoon Cat, ouais! Et Cartoon Dog, lui, a complètement disparu! Tu as pu le tuer avec la batte, avec la force de nos abonnés, Alina! Merci beaucoup pour votre soutien! Je suis si heureux que tu sois vivante! Qu'est-ce que tu fais ici? Je me rase dans la salle de bain, tu comprends? Et je me brossais les dents dans ma baignoire. On n'est plus dans la salle de bain, il me semble. Et t'es habillé en quoi, là? Je ne sais pas, je t'ai pas habillé comme ça, moi. Et moi, je porte quelque chose de bizarre. Mais nous ne sommes plus au studio, n'est-ce pas? On n'est pas au studio, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est très étrange. Nous étions en train de faire nos trucs habituels et nous nous sommes retrouvés ici. Et on ne sait pas trop où. J'étais en train de me raser et voilà, maintenant, je me raserai plus. Écoute, il y a quelque chose derrière la fenêtre. Ah oui, il y a quelque chose ici. Allons voir. Je sais pas. Peut-être qu'on trouvera rien, hein, qu'il n'y a rien ici. Hein. Peut-être qu'on sortira un jour et j'arriverai à nouveau à la salle de bain et que je pourrai enfin me raser. Nous devons comprendre ce qui nous est arrivé. Pourquoi nous sommes ici et où nous sommes? Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est l'espace, Pacha. C'est très étrange. Pourquoi notre studio est-il apparu dans l'espace? Ah, peut-être que ce n'est pas du tout notre studio. Peut-être qu'il en a l'air, mais c'est bizarre. Que ça bouge. Ah, c'est jamais arrivé ça dans notre studio. Non. Ça bouge comme si on était sur un bateau. Nous devons vraiment être dans un vaisseau spatial. Waouh, regarde, il y a quelque chose qui est là. Oh, nous n'avons jamais vu de telles choses dans notre studio, mais qu'est-ce que c'est? Pacha, attention, basculement. Regarde, il y a une table et un bouton. Alina, t'appuie pas dessus, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas bon qui sortira de là. Pacha, puisqu'il n'y a qu'une table et un bouton, pourquoi ne pas appuyer dessus? Exactement, c'est ça, réfléchis bien. Quelqu'un a mis une table ici avec ce bouton. Il n'y a rien d'autre ici. C'est exprès pour qu'on appuie dessus. Il va se passer quelque chose d'horrible, je pense. Pacha, détends-toi. Nous appuyons toujours sur tous les boutons. Ce sont des monstres. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Comment on est apparu ici, mec? Les voilà, ces gens me disent attrapez-les. Les monstres, on les attrape. Il faut se sauver. Allez, on les attrape. Pacha, cachons-nous ici. Pendant qu'ils nous cherchent, on va trouver un plan. Alina, je t'avais dit de ne pas appuyer sur ce bouton. C'est rien arrivé. Je t'avais demandé. Il n'y avait même pas de légende. T'es sûr de ne pas appuyer sur le bouton. Tu aurais dû le deviner. Chaque fois que nous appuyons sur un tel bouton, il se passe toujours quelque chose de bizarre. Bon, puisque c'est ma faute, c'est les hommes près d'amitié. Oui, il va nous sauver là. Faisons-le alors. Ça fonctionne très simplement. Si tu vaporises parmi les monstres, ils deviennent immédiatement amicaux. Super. On peut même jouer avec eux. Et d'ailleurs, où tu l'as trouvé? Et comment l'utilises-tu? À quoi ça sert? L'endroit où je l'ai trouvé, c'est un secret. Et je m'en sers quand vous vous disputez toujours pour des biscuits. Vous les partagez tout de suite avec moi. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Eh bien, Pacha, je n'ai qu'un peu de ce spray. Et il n'y a que deux dans le monde. J'en ai un et je ne sais pas où est l'autre. Eh bien, puisque nous l'avons, dépêchons-nous de l'utiliser, allez! J'en ai pas assez! Allez, plus vite, allez, la plus vite! Ah, c'est quoi cette odeur? Ça sent bon! Ah oui! Les gars, écoutez, ça sent vraiment bon! Les gars! Pourquoi vous cachez-vous là-dedans? Sortez, on est tous des amis! Waouh, on dirait que ça marche, c'est génial! Bonjour! C'est cool qu'on soit tous là! Maintenant, on peut jouer à quelque chose! Jouons!
Est-ce que quelqu'un a apporté des jeux de société? Et si on joue à pierre, papier, ciseaux? Tu n'as pas de doigts! Comment vas-tu jouer? Les gars, vous ne pensez pas que nous sommes déjà dans une sorte de jeu? Regardez, nous sommes dans l'espace. Nous nous tenons près de la table de réunion et nous portons des costumes de couleur. Oh. C'est Among Us! Among Us! Il y a des civils et un traître. Le rôle du traître est d'éliminer tous les civils et de gagner. Quant aux civils, ils doivent accomplir les missions qui leur étaient données dans la station de démasquer le traître. Et si le gardien de la paix trouve un joueur assommé ou s'il soupçonne quelqu'un d'être un traître, il doit appuyer sur ce bouton rouge pour organiser une réunion au cours de laquelle les gardiens de la paix essaieront de découvrir qui est l'imposteur. À son tour, l'imposteur dispose d'une fonction spéciale qu'il peut utiliser pour éteindre les lumières dans tout le bateau ou bloquer les portes pendant quelques minutes afin d'accomplir ses méfaits. Vous avez compris, les gars? Oui. Ok, mes chers amis, il y a maintenant une carte devant vous qui vous dira quel est votre rôle et ce que vous devez faire dans ce jeu. Tout le monde est prêt, les gars? Choisissez une carte, observez attentivement pour qu'aucun de vos voisins ne découvre votre rôle. Cette fois-ci, tout le monde a regardé? Oui! Alors, il est temps de jouer! Ouais! Les gars, aidez-moi, je ne vois pas qui je suis! Les gars, je ne suis qu'une simple civile. Je n'ai pas à craindre. Et ma première tâche est de m'occuper de ce thermomètre. Il fait très froid sur notre vaisseau, 20 degrés. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Il nous faut 30 degrés. Donc maintenant, je vais arranger tout ça. Ok, les gars, on doit d'abord tout réinitialiser. Appuyer sur 0, puis E. Très bien, les gars. J'ai mon rôle d'imposteur et mon préféré. Je vais définitivement gagner ce jeu. Ma première victime sera Alina. D'accord, c'est ça? Alina, bonjour. Tu es en mission? Tu me surprends pas derrière. D'ailleurs, j'ai préparé une belle température pour nous tous. Et moi aussi, j'ai cette mission. J'en ai déjà fait une, d'ailleurs, avec les fils, tu sais. C'est bien, Bruno. Dommage qu'il ne soit pas mon Bruno, mais le Bruno a un bouton. Tu m'as tellement manqué, comme d'habitude. Tu as un Bruno personnel? Ils ont tous un Bruno personnel. Arrête! D'accord, faisons vite ce travail, parce que je dois aussi régler la température de notre vaisseau spatial. Je l'ai déjà réparé. Tu dois encore la casser? D'accord. Je l'ai cassé. Ça n'a pas marché. Je vais l'attraper plus tard. Ok, les gars. Ma mission est quelque part par là. Allez, je vais la trouver. Ah, la voilà! Regardez, les gars, voici ma mission. C'est le bouton d'inscription que je dois rendre gris. Il est rouge maintenant. Il est censé être gris. Non? Très simple, non? J'y arriverai de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ça ne marche pas? Dans tous les cas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pas aussi simple que je pensais. Hey, les gars, je suis sûr que vous pouvez m'aider. Au! D'accord, ok, c'est rien, je m'en remettrai. Mais la rendre grise, ça me convient pas là. Mais toi, tu peux m'aider, c'est très simple. Il suffit d'aller sous la vidéo, de trouver le bouton d'abonnement et de cliquer dessus. Je la rendrai grise. Allez, c'est bon, vas-y, allez. C'est bon, vous pouvez le faire. Vous l'avez déjà fait? C'est bon? Oui? Oui? Ouah! Vous avez réussi? Oui. Voyons voir si je peux y arriver maintenant. Oh! Très bien, les gars! Merci beaucoup! Je n'aurais pas pu le faire sans vous! C'est génial! Eh bien, il se trouve que j'ai réussi grâce à vous, hein! Ça y est! C'est tout! J'ai aussi augmenté la température sur notre bateau pour qu'elle soit confortable! Bouton Bruno! Tu sais que t'es plus petit de 10 cm que la moyenne des Bruno! Ce n'est pas grave! Tout ce qui compte, c'est que nous avons une mission à accomplir! Écoute, pourquoi ne pas aller faire toutes mes tâches et après on fera les tiennes? Non! Faisons d'abord les miennes et ensuite les tiennes! Alors, allons-y! Ah, d'accord! L'important de se serrer les coudes! Je ne sais toujours pas si je suis un civil ou un traître! En
voilà une cible facile, mon ami vert. Il ne voit rien. Je vais me faufiler jusqu'à lui et l'assommer. Oh non, j'ai encore fait du bruit. Qui est là? Qui est là? Reculez ou je vais vous chasser. Mais arrête-toi! Arrête-toi! Je suis gentil! J'essaie de t'aider! Je ne te crois pas! Éloigne-toi de moi! Tu mens! Tu mens! Attends! Où c'est que tu t'enfuis? Attends-moi! Attends-moi! Attends! Viens par là! Attends! Eh bien, le premier est prêt! Apparemment, j'étais un civil! Oui, Bruno, c'est un blaster! Piou, piou! Tu ne comprends pas, c'est un blaster! C'est vraiment un blaster, ça! Je ne comprends pas du tout comment faire cette tâche! Regarde! Oh, Alina, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il faut se calmer et courir vers le bouton rouge! D'accord, courons! Attention! Ah, pas si vite! Ah, Alina, qu'est-ce qui vient de se passer? L'imposteur a dû bloquer la porte pour nous. Il a fait exprès de nous prendre au piège. Je ne vois pas qui c'est. Je vois bien quelqu'un marcher là-dedans, mais je ne comprends pas qui est exactement l'imposteur. Ok, toi et moi, nous connaissons exactement une vérité. Tu n'es pas imposteur, je ne suis pas imposteur, et le ver n'est pas imposteur non plus. C'est une bonne nouvelle, parce que je me doutais bien que c'était toi. Ou alors, c'est toi. Tu as juste fermé les portes pour qu'on aille nulle part et piéger le ver. Oh mais les gars, vous avez vu par vous-même que je n'avais pas de télécommande d'imposteur. Juste ce blaster intergalaxique. Encore bonjour les amis, j'ai une autre mission là pour vous. Regardez, vous voyez ces anneaux? Il faut les jeter sur ce poteau. Hey! Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est pas si facile, ça y est là. Si c'est la première fois que tu le fais. Ah zut, c'était presque. Zut, c'était encore presque. Ah! Et si personne ne regarde. Comment j'ai réussi ça? Waouh! Regarde, regarde comment j'ai fait. Regarde, regarde comment j'ai lancé. Regarde comme j'ai réussi! J'ai réussi ma mission! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est le bruit d'une porte qui se ferme! Je me souviens qu'Aline avait dit que les traîtres pouvaient faire comme ça! Eh ben, tout le monde peut probablement fermer la porte, mais il y a un son si particulier, c'est comme un bruit de traître! Je vais aller voir si je peux aider quelqu'un d'autre. Voyons voir d'où vient ce bruit! Oh! Voilà! Voilà! Ah, c'est facile! Bon, allez, laisse sortir, allez! Pacha, nous sommes fermés! Oui, oui, je comprends, mais je ne sais pas comment ouvrir la porte, elle s'ouvre pas! Tu nous as enfermés? Non! J'ai aidé notre vaisseau spatial à voler, j'ai lancé des anneaux. On dirait que vous allez devoir rester ici encore quelques jours, le temps que je puisse trouver un moyen de sortir d'ici, ok? La porte s'ouvrira dans 2 minutes, c'est le temps qu'un traître peut mettre pour fermer une porte. Mais dans ce laps de temps, il aura peut-être encore le temps de commettre quelques crimes. L'un d'entre eux a déjà été tué. Il faut trouver la prochaine victime. Oh, Cartoon Dog, je suis si content de te voir. Restons ensemble. J'ai un peu peur, en fait, je te jure. Moi aussi, je suis content de te voir, mon ami. Tu n'as pas entendu, en fait? La porte s'est refermée et je me sens un petit peu mal à l'aise, en fait. Oh, non. Je n'ai rien entendu. As-tu entendu quelque chose, toi? Mais tu agis de manière assez suspecte. Tu deviens un petit peu nerveux ou quoi? Je suis nerveux parce que, en fait, je suis un imposteur. Encore un. Que faire, hein? La porte s'est ouverte, Pacha! Il faut courir d'urgence, appuyer sur le bouton rouge et rassembler tout le monde! Non, stop! Qu'est-ce que c'est celui-là, là? C'est un ami vert, il est assommé! Vous êtes des imposteurs! Oui, Pacha, calme-toi! Si l'un de nous était un imposteur, il n'y aurait pas de personne de vous ici, mais deux personnes couchées! Oui. Il n'y a qu'un seul imposteur dans ce tour! Comment as-tu pu ouvrir la porte alors qu'elle était fermée, hein? Dis-moi! L'imposteur a bloqué notre porte pendant 2 minutes, puis 2 minutes plus tard, elle s'est ouverte. Ok, tout l'air de coïncider. Alors, on appuie sur le bouton tout de suite. Peut-être que c'est toi qui a bloqué la porte.
parce que tu étais devant la porte pendant tout ce temps. Comment tu oses? J'étais là en mission, je suis entré pour vous aider. J'ai rien à faire avec tout ça, là. Qu'est-ce que tu dis, toi? Maintenant, on va appuyer sur le bouton rouge et faire une réunion pour savoir qui a fait ça. Oui, les gars, j'ai fait une réunion parce qu'on a eu une sorte d'accident. Tout d'abord, nous avons été avec le bouton Bruno pendant tout ce temps. Donc, il n'est absolument pas un imposteur. Parce que si un traître met Bruno ou moi hors d'état de nuire, alors vous savez, on n'est pas des imposteurs, nous. Ce n'est pas tout à fait ça, non. Et surtout, on a trouvé un ami arc-en-ciel vert illuminé dans la salle de douche. Je n'ai des soupçons que sur le jaune, car il était le seul derrière la porte fermée de l'imposteur. Je n'ai rien à voir avec ça, là. Je vous ai dit que j'ai essayé de vous aider. Je n'essaierai pas la prochaine fois. J'ai accompli la mission, j'ai aidé notre vaisseau à voler plus loin. J'ai accompli notre tâche. Je suis venu et vous êtes enfermé. Je n'y suis pour rien. Est-ce que quelqu'un ici a déjà rencontré un jaune dans tout le jeu? Attendez, la lune n'est plus là non plus. Quelqu'un a dû l'assommer lui aussi. Et je crois que c'est Cartoon Dog. Moi aussi, j'y suis allé. J'accomplissais une mission, mais je pense que c'est le jaune et il a fermé la porte. Quoi? Tu vas voir, toi. Tu veux m'accuser? Et dis-moi, t'as des preuves? Attendez, les gars. Ne vous chamaillez pas. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'il y a un poster à côté de moi. Mon ne l'éliminera personne pour l'instant. Nous ferions mieux de jouer, de nous courir. Qui est le véritable imposteur? Ok, on commence le nouveau tour. Et cette fois, nous allons découvrir qui a trahi notre équipage. Eh bien, les gars, la mission est en fait extrêmement simple. Il faut connecter tous les fils. Comme vous pouvez le voir, j'ai presque tout assemblé. Il ne reste plus qu'un seul. Et alors, l'électricité sur notre vaisseau fonctionnera mieux. Eh bien, celui-là est le plus facile à tuer. Regardez. Aïe. Et voilà, vous voyez? Cartoon Dog! Comment t'as pu? Hein? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ne bougez pas! Réunion! Aïe, il est après nous! Attendez! Sauvons-nous! Venez ici! Arrêtez! Arrêtez-vous! Réunion! Je ne comprends pas! Pourquoi nous rencontrons à nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très important! Nous avons vu avec Bouton! Comment Cartoon Dog a assommé le rouge! Sous nos yeux de Bouton, Pacha, fais-nous confiance. Désolé de t'avoir accusé, mais cette fois, je suis sûr que le traître, l'imposteur, Cartoon Dog, je vote contre lui. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Je l'ai vu tuer et je me suis approché de lui. Oui, Cartoon Dog, on te croirait s'il n'y avait pas un mère. Peut-être qu'il dit la vérité parce que nous sommes arrivés et le rouge était déjà à terre. On l'a vu tendre la main et le rouge est descendu. Tu ne l'as pas vu ou quoi? Je tente ma chance pour vous. J'espère que vous ne vous moquez pas de moi. Je vote contre Cartoon Dog. C'est tout, Cartoon Dog. Monte ta carte. Bon, d'accord. Je n'ai pas pu tuer tout le monde. C'est parti pour le prochain tour. Prochain tour. Encore vous. Alina, il y a déjà d'autres monstres ici. Pourquoi d'autres? Je ne la connais pas non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Carton de carte, pourquoi tu assises? Allez, montre-lui ou je vais le faire moi-même, tu vas voir. Quoi? Qu'est-ce que tu vas me montrer? Carton de 4, toi et moi, nous avons une bonne discussion, n'est-ce pas? On n'a eu aucun problème. Je me souviens de ce qui s'est passé la dernière fois. Alina, donne-moi vite ton spray, vite. Donne-lui. Le spray. Oh, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, moi non plus, ce qui t'a pris, là. J'ai cru que tu allais m'étrangler. T'es fou.
Bon alors les gars, jouons. Tout le monde n'est pas encore là ou quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, ok, alors jouons. Asseyez-vous là, asseyez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous debout là? Hein? Comme s'il y avait une raison. Pacha, à cause de toi, je n'ai presque plus d'esprit amical. Mais quand personne ne nous attaque, bien sûr, on n'en a pas besoin, hein. Mais là, par contre, j'ai été attaqué maintenant, donc c'était nécessaire. À quel jeu on va jouer alors, les gars, hein? Oui, Alina, à quel jeu on joue maintenant? On va jouer à Among Us cette fois-ci. Wow, super, enfin. J'adore ce jeu. Among Us, c'est mon rêve. Il aime tellement Among Us que nous ne manquerons pas l'occasion d'y jouer avec toute notre nouvelle équipe d'amis. Wow. Et on commence. Les gars, tout le monde a un rôle. Regardez-le et commençons à jouer. Youhou. Les gars, allons accomplir nos tâches. Allons-y. J'ai une carte de traître. Et comme je suis le plus rapide, je vais enfin gagner aujourd'hui. Hey les gars, je suis à nouveau un civil. Je voulais vraiment être un traître, essayer ce rôle. Mais je suis à nouveau un civil. Je suis un civil dans la vie et un civil dans le jeu. D'accord, j'ai une sorte de mission, il faut que je l'accomplisse. Carton de carte. Je pense que j'ai l'impression que c'est toi le traître. Non, c'est toi le traître. Pourquoi je serais le traître? Non, non, je suis sûr que c'est toi le traître. Et moi, je suis sûr que c'est toi le traître. Et je suis sûr que tu es... Je ne sais pas, c'est toi, allez, dégage de mon chemin. Non, c'est toi qui t'en vas. Pousse-toi. Ok, toi ça suffit, allez. J'ai une mission, vous êtes sur mon chemin, tu es certainement un traître. Préparons-nous, d'accord. Allez, je vous surveille, moi. Je vous surveille. Carton de 4, je pense que ça doit être un traître. Comment c'est possible ça? Le jeu vient de à peine de commencer et il a déjà été mis KO. Il n'y avait personne d'autre ici. Il n'y avait personne d'autre ici que à part un carton de 4. Il était sûrement en train de venir ici et il m'a bloqué le passage. Je crois qu'on va devoir se retrouver à nouveau tous les deux. Mais qui c'est qui ose demander une réunion? J'ai presque fini là. Oui, Pacha, t'as réussi. J'ai même pas fait ma mission. Pourquoi t'as convoqué la réunion si tôt? Ok, attends, ce n'est pas du tout tôt parce que... Oui, on vient juste de commencer le jeu, mais quelqu'un a déjà sauvé Freddy. Et je sais même qui c'est. C'est Carton de 4. Ce n'est pas moi. Je t'ai vu là-bas et t'avais un comportement bizarre. Oui, mais j'allais juste là-bas. Et toi, tu partais de là. Et tu ne m'as pas laissé passer. Il venait de la scène du meurtre. C'est lui qui a assommé Freddy. Je l'ai vu là-bas, tout comme je vous ai vu ici. Eh bien, c'est aussi comme ça que je le vois maintenant. Bon, ok, c'est pas important. De toute façon, voyez l'idée. C'est lui. Ouais. Je pense que c'est lui aussi. Je crois. Je vote pour Carton 4. Regardez ce malin. Apparemment, ce sera le tour le plus court. Je suis aussi contre Carton 4, je crois, Pacha. Bien joué, Alina. Non, ce n'est pas moi. C'est pas ça, le traître. Je vais voter contre lui. Je crois que c'est la blonde qui brûle les pistes là-bas, cette con. Ah, la brune. Vous avez organisé une réunion spéciale pour détourner les soupçons. Carton 4 est exclu du jeu, c'est sûr. C'est un tricheur. Bien pensé, mais ceux qui me connaissent bien savent que je n'aurais pas eu une idée aussi parfaite en tête. Moi, je suis pour la blondasse, quoi. Oui, j'ai compris. Donc, 2 votes pour Pacha et contre Carton 4, c'est 4. Allez, Carton 4, montre-nous quel est ton rôle. Allez, montre-moi, c'est bien toi. Yeah, vous vous trompez, je suis un gentil. Pacha, t'as dit que c'était Carton 4 et ce n'est pas Carton 4. Je me suis trompé, je pensais vraiment que c'était lui, qui agissait suspicieusement. À mon avis, c'est ce que tu fais, suspicieux. C'est toi qui nous a dit que Carton 4 était le traître. Je pense que tu es énorme et bleu, donc tais-toi le bleu, t'as compris? Je vous l'avais dit, bande de mongols. Allez, on va jouer, la brutine merde. Et oui les gars, allons jouer ensemble et surveillons-nous les uns les autres. Tu as des questions à me poser ou quoi là? Réglons ça comme des hommes. Ouais, comme des mecs. Ah non, c'est une blague, on s'amuse. Tu ne peux pas faire ça, Jeff. Aïe aïe aïe. Très bien, t'as de la chance de vivre pour l'instant. Je vais aller à ma mission, espèce de conne. Oh, c'est ma mission les gars.
Ok les gars, j'ai compris. Si vous devez casser les commentaires avec les likes, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour moi et pour vous la mission. Il semble que ce soit une mission commune. C'est tellement cool que vous puissiez jouer à ce jeu cool avec nous. Les gars, allez juste en dessous de la vidéo et mettez un like. Ces likes iront directement sur la comète. Et il y en a 4, alors il nous faut beaucoup de likes. Les gars, allez, s'il vous plaît les gars. Oh, ils volent. Waouh. Oh les gars, encore 3 comètes. Oh, le voilà. Waouh. Oh, il reste 2 comètes. Encore un peu. Chargeons le canon. Wouh. Oh, 2 comètes en moins les gars. Merci beaucoup d'avoir aidé à briser ces comètes les gars, vraiment. La réunion s'est très bien passée. Personne ne s'est douté que j'étais le traître. Et tout le monde pense même que c'est Pacha. Je me suis aussi débarrassé de Cartoon Cat. Mais maintenant, je vais faire encore mieux. Je vais éteindre toutes les lumières. Ce sera plus facile pour moi d'attraper tout le monde. Nous n'aurions pas réussi sans vous. Et je suis prête à vous remercier 1000 fois. Oh, mais pourquoi il fait si sombre? Je ne vois rien. Oh, les gars, le traître a éteint la lumière. Je ne vois rien. Il est urgent d'allumer l'interrupteur pour que tout le monde puisse voir où il est. Et voilà, tout le monde a peur de moi parce que je fais peur. Et j'aimerais être ami avec quelqu'un. Merde! Mais je vois rien, merde! C'est pas l'interrupteur! Oh, le voilà, il est allumé, c'est mieux! Oh, mais je vois plus mes missions, mais qu'est-ce qui se passe alors? Attends, qu'est-ce qui se passe? Encore un en moins! Maintenant, il sera encore plus facile de gagner! Pourquoi tu me fais peur, Pacha? Je l'ai pas fait exprès, tu m'as fait peur aussi. Je viens de rencontrer le vrai Slenderman. Il a failli me kidnapper. Ah, de quoi tu as peur, Aline? Grâce à ton spray amical, ils sont tous devenus gentils et il n'a pas voulu te toucher. C'est vrai, il est gentil. Maintenant, les gars, j'ai complètement oublié. Mais dans tous les cas, ça me stresse. Que les lumières s'éteignent et qu'on soit là avec des monstres. C'est pas génial, hein. Qu'est-ce que tu proposes, alors? Marcher ensemble, toi et moi. Serais-tu un imposteur par hasard? Non, et toi? Je suis pas un imposteur. Oh, très bien, alors nous allons rester ensemble, ok? Pacha, j'ai une mission à faire dans les toilettes. Allez, je m'en occupe et tu vas rester me protéger. Ok, allons-y, Alina. Bien sûr, je vais t'aider. Pacha, j'ai une mission là-bas. Je ne sais pas, j'ai peur. Ok, bon, je suis un orbe, j'y vais, allez. Je vais en avant, ok. Pacha, pourquoi tu crées... Oh, comment? Nous venons juste de commencer ce tour. Et déjà, quelqu'un a été assommé. Je ne comprends pas comment ça s'est passé. C'est si rapide. Oui, c'est trop rapide, ça. Et suspect. Regarde, allons appuyer sur le bouton. Allez, attends, Aline. Quoi? Regarde ce que j'ai trouvé ici. C'est quelqu'un qui a été pris. Écoute, Aline, je crois que j'ai compris pourquoi tout le monde ici s'est venu si vite. C'est clair. Ouais, très vite. Et la l'air bleue. Oui. Tu comprends toi aussi, n'est-ce pas, là où je veux en venir? Allez, nous allons à la réunion. Oui. Nous allons découvrir qui est le véritable imposteur, c'est promis. Pourquoi avez-vous convoqué la réunion si rapidement? Parce que quelqu'un ici est en train d'assommer tout le monde dans le jeu. Et ça, très vite! N'importe quoi, rapidement. Plutôt très très lentement. Ah, c'est intéressant que ce soit toi qui dis ça, là. Parce que regarde ce que j'ai trouvé sur la scène du crime. Eh, tu sais pas à qui ça pourrait appartenir exactement? Dis-moi. Peut-être j'ai laissé ça en courant vite quelque part. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas. Je pense que c'est Sony qui est le traître dans ce jeu. Parce qu'il est très rapide. Et en conséquence, il est rapide et peut s'occuper de tout le monde. C'est pourquoi que nous perdons autant de joueurs très rapidement. C'est logique, non? C'est vrai. Les gars, est-ce que quelqu'un a vu Sonic Exit dans les toilettes? Personne, parce qu'il est très rapide. J'ai tout expliqué déjà. C'est ce que je pense aussi. Oui.
Je pense que le traître, c'est Sonic Exy, qui est avec moi. Sonic, il est temps pour toi de dévoiler toutes tes cartes. Ouais, il est silencieux et puis après il applaudit. Les gars, c'est l'heure, au prochain tour. Allons-y. Allez là, des nouveaux monstres. Allez, allez, vite, ils vont sûrement nous attaquer. Pulvérise, pulvérise. Ça ne marche pas, Pacha. Ça ne marche pas, c'est la fin pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Désolé, je voulais pas, vraiment pas. Ça a marché, Alina, ça a marché. Stop, Alina, ils vont bien maintenant. Tu as toujours le spray, n'est-ce pas, Alina? Non, je n'ai pas utilisé notre spray. Comment ça s'est passé tout ça? Comment c'est arrivé ça? Les gars, moi j'ai un spray amical, alors c'est bon. Et c'est lui qui avait le deuxième spray. Ah, je vois maintenant, je n'ai jamais douté de Spider-Man. Les gars, jouons à Among Us. À quoi? Among Us. Ah, enfin, c'est génial. Allez. Distribuons les cartes. Les gars, tout le monde a distribué des cartes. Au fait, Pacha, nous avons un homme qui joue à la fenêtre cette fois-ci. L'ami de l'arc-en-ciel bleu. Toi, Pacha. Qui? Pacha, toi. Oui, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis Alina. Vas-y, le prof. Le bleu, c'est Agiwagi. Et le rouge, c'est Spider-Man. Salut à tous. Est-ce que tout le monde a compris son nom? Oui. C'est par un nom. Eh les gars, enfin regardez, je suis un imposteur. Je me suis fui dans le palais civil, mais un traître. Et maintenant, je vais essayer ce rôle dont je rêve depuis longtemps. Le rôle d'un méchant, c'est génial. Mais pas dans la vie, bien sûr, hein, mais dans le jeu, c'est drôle. Alors, qu'avons-nous ici Oh, regardez, c'est Alina. Et elle sera ma première victime. Bon, maintenant, pour qu'elle n'entende pas, prudemment. La. Pacha, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu es juste un peu de ça. Attends. Pacha, arrête de me donner des coups. Je vais te donner des coups, moi. Attends. Alors, c'est pas comme ça que c'est censé se passer, là. Je suis censé te frapper avec ce truc et tu vas tomber et ça va être un joueur en moi là. Parce que c'est comme ça que c'est censé se passer. T'es un tricheur parce que je suis un vrai imposteur. Regarde, j'ai même une carte. Voyons voir, je suis... Tiens, regarde, je suis un vrai imposteur. C'est bizarre parce que moi aussi je suis un imposteur. Des imposteurs ensemble, est-ce que ça arrive au moins? Apparemment, c'est en train de se passer ici et maintenant. Alors en fait, c'est plutôt amusant. Que quelqu'un choisit un moi de deux traîtres, c'est intéressant. Très bien, travail d'équipe ensemble. Comme on dit, une tête c'est bien, mais deux têtes c'est génial. D'accord, une et demie, je précise. D'accord, Pacha, on y va. Allons-y. Trouvons nos victimes. Je suis déjà en train de faire la mission. Je dois taper les chiffres dans le bon ordre. J'ai presque terminé. Bonji, qu'est-ce que tu fais ici? Les gars, je suis en train de faire une mission. Vous m'avez fait oublier ce que je devais faire. Et maintenant, je ne vais pas accomplir ma mission. Mais je vais faire mon devoir. Oh, Pacha, t'es tellement en colère. Et je le suis. Pascal, en sommet. Alina, c'est la traite, sortons d'ici. C'est bon, regarde, tu m'as sauvé. Et en plus, on les a assommés tous les deux en même temps là. C'est génial, non? Écoute, Pacha, d'un coup, presque dès le début du jeu, Pacha, faisons profit bas avant que quelqu'un nous voie. Non. Allez, fuyons d'ici parce que personne nous a vu encore. Allez. L'homme derrière la fenêtre. Quelqu'un a assommé l'homme à la fenêtre. Et Babi, elle est là. Le jeu vient de commencer, nous avons déjà perdu deux.
qui ont pu s'assembler deux au même endroit. Nous devons organiser une réunion super intéressante et importante. Bloquons la porte. Super. Il s'est fait prendre. Ah ouais, c'était moins une, hein. Maintenant, écoute-moi bien, Pacha. Tu vas maintenant trouver soit la nuit bleue de l'arc-en-ciel, ou Agi Wagi, et tu l'assommes. Et la victoire est à nous. Ah, ok, super. C'est par en nom. C'est par en nom. Ah, voilà, Agi Wagi. Je t'ai trouvé. Bien ici. Ok, les gars, ma mission est de démarrer ce générateur. Le remplir d'essence. Eh bien, je suppose que je dois d'abord le trouver. Ah ah, tu n'y trouveras rien. Mais moi, je t'ai trouvé. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, fais un pas. Ah! Oh, j'ai failli l'avoir. Et pourquoi cette réunion encore une fois là maintenant là? Pourquoi tout d'un coup là? C'est moi qui ai organisé cette réunion parce que j'ai trouvé deux personnes à sommer. Deux d'un coup? Comment on peut tuer deux personnes en même temps? C'est très étrange. Je ce n'est pas possible du tout. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas comme ça normalement là. C'est une sorte d'erreur. Nous, wow. Non, c'est pas, on était tous ensemble. On est là et là et on est au courant de rien. Nous avons fait le travail ensemble, c'est sûr. Oui. Nous ne savons rien. Moi je pense que c'est Oogie Woogie. Je pense qu'il fait semblant d'être stupide, mais en fait, il est super sournois. Je peux pas accepter ces missions, elles sont super débiles. Alors, j'en ai fait aucune. C'est tout, voilà quoi. Elle aime pas ce jeu. Oui, je l'ai vu en personne manger notre bateau. Je suis pour Agi Wagi. Oui, moi aussi. Et en fait, je te soutiens, Alina, parce que je ne t'ai pas vu faire des missions non plus. Moi, je suis pour Alina. Ouais, moi aussi, je vote pour Alina. Oh, ça fait 2-2. Oui, c'est un match nul, là. Un match nul. Alors, continuons à jouer. Oui, continuons de jouer. Pacha, attends. Écoute, maintenant, nous devons labourer en plein avec toi. Toi et moi, nous devons agir de toute urgence. Uh-huh. Sinon, nous serons démasqués. Ouais, qu'est-ce que tu suggères, alors? Oh, j'ai une idée. Regarde, Pacha. On va juste éteindre les lumières et ils devront passer par la grande pièce. Uh-huh. Et en tant que les lumières sont éteintes, ils ne verront pas. On pourra les assommer en parent. Vraiment. Oh, un plan génial. Si nous en éliminons deux, nous aurons déjà gagné. Donc mon plan devrait fonctionner. Oui, Alina, tu es forte. C'est parti. Pacha, nous sommes à couvert. Allez, éteins les lumières. Allons-y. Et les gars, vous savez à quoi je pensais? Que nous devrions nous serrer les coudes, honnêtement. Je fais pas confiance à ces putains de blogueurs. Je vous ai certainement pas fait confiance non plus. Mais j'ai pas vraiment le choix, quoi. Je suis contre toi parce que tu m'as traité d'abruti. Alors voilà. Allez, oublions les reculs, quoi. Non, je ne ferai pas équipe avec toi. Oh, la lumière est partie. Qu'est-ce que t'as dit? Marcher ensemble, ça vous dérange pas du tout. D'accord, c'est ça. Mettons toutes les rampines de côté. Je sais qu'il y a un interrupteur dans la salle de douche et nous pouvons l'utiliser pour allumer les lumières de tout le vaisseau. Viens, je vais te montrer. Regarde, ce sera super. Allez, viens avec moi, c'est ça. Mais voilà, il faut aller dans la salle de douche. Oh, je vois rien. Il fait noir. Oui, Agi Wagi, n'aie pas peur. Allez, va tout droit et c'est tout. Regarde, ils sont déjà là. Assommons-en deux et gagnons ce jeu. Allez. Agi Wagi, n'aie pas peur. Tout droit, il y a un interrupteur. Il suffit de tirer et d'aller là-haut. Ouais. Et ça a l'air que Pacha, toi et moi avons déjà gagné. Oui, comme nous. C'est si rapide, si clair. Il n'y a pas d'animation de victoire ou quelque chose comme... Oh, quelqu'un allume la lumière. Mais qui a allumé la lumière? Je suis pas con. Ah, c'est... C'est Agi Wagi qui a allumé la lumière. C'est lui qui a fait ça. Et maintenant, vous allez payer parce que vous vous êtes foutu de ma gueule. Oh, ne rigolez pas. Dépêche-toi, vite. Cours. Pacha, ferme-la. Aide-moi. Je aide. Nous avons gagné ce jeu. Pourquoi ça ne s'arrête pas? C'est terminé, là. Alors, je crois qu'il faut dire au revoir au gars, là. Parce que je sais pas trop ce qui va se passer.